donc en selle, par l'entraîneur de Tony Moreau. Voilà, une vue de ce rond de présentation et celui du 167e prix de Diane Longines. Les choqués se sont mis en selle, ils seront en piste dans quelques instants. Vous allez pouvoir assister au défilé des concurrents de ce prix de Diane Longines. On voit l'image Azélia avec Jean-Bernard Rivière, donc qui est en selle sur cette élève de Simone Bodji. Voilà, c'est le Kazakh qui a une curie brillantissime. C'est M. Lemaniche. On voit également le numéro 6 avec Michael Barcelona. Je vais en vue donc de Quimpoc dans cette épreuve. Pas de sortie en fait. Alors, dans quelques instants, ce sera défilé. Les pouliches sont encore dans le rond, je vais vous confirmer Pascal. Il y a Stéphanie Nicleux qui est très loin de moi, j'ai demandé à vous, c'est son premier plaisir en tant qu'entraîneur. Stéphanie, vous entraînez avec votre père Marcus, c'est un moment très fort dans votre carrière de jeune entraîneur, vous avez quel âge d'ailleurs? J'ai 29 ans et c'est vrai que c'est une grande chance d'être au départ et ça serait magique d'être à l'arrivée. On vous souhaite d'être à l'arrivée, peu plus au proche, le numéro 4, hein, c'est... Elle a joué deux fois très bien, et là elle tente un pari aujourd'hui. Oui, c'est un vrai pari, mais comme vous avez dit, elle a couru deux fois ici, donc elle connaît très bien la piste, et on va donner le meilleur nous-mêmes aujourd'hui. On vous souhaite une très belle course. Merci. Merci Stéphanie, voilà Stéphanie, le jeune entraîneur du numéro 4, un peu proche. On va tout de suite aller dans la piste pour, dans quelques instants, le défilé, mais avant cela, on se dirige donc vers le couloir. Les poulies seront au départ du prix de Diane Longines. Dans quelques instants, nous allons assister au défilé du prix de Diane Longines 2016, 167e du nom. Aujourd'hui, sur l'hippodrome de Chantilly, 1 million d'euros d'allocation, 2100 mètres à parcourir, 575 400 euros pour l'entourage de la gagnante. Nous allons pouvoir démarrer ce défilé dans quelques secondes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le défilé du 167e prix de Diane Longines, numéro 1. Swiss Range, Kazakh du Prince Tariq Abdullah, entraînement de Jomi Bosdier, c'est la gagnante des Prix Polistex cette année à Newmarket, démontée par l'Entrant Colletori. Le numéro 2, Génaïel, Kazakh Ratchakabrassi, entraînement de Jean-Paul Rouget. Elle est gagnante depuis deux mois du Saint-Amérique Groupe 1. Elle est associée à Grégory Benoît. Numéro 3, Tira del Fuego. Kazakh de Kersin Babel-Michelides, entraînement de Georges Michelides. Elle est à le 3e prix, la Camargo, cette année. Elle est montée par Olivier Pellier. Le numéro 4, Olivier Approche, Kazakh de Lutz Bodgen, entraînement de Marcus et Stéphanie Ligueux. C'est la gagnante du prix du papillon des Lances, une conseillère ici à Chantilly. Elle est montée par Antoine Amelin. Le numéro 5, Aza Eila, Kazakh de Lutz, brillantissime en association avec M. Bénèche. C'est la deuxième du prix Venteau, groupe 3, elle est entraînée par Simone Brocci. Elle est montée par Jean-Bernard Requem. Le numéro 6, Can Rock, gagnant du prix Pénélope, groupe 3, deuxième du prix Saint-Alary, groupe 1. Elle est entraînée par Pierre Brand, elle défend la Kazakh des prix de Grand Chêne en association avec Gérard de Saint-Normand. Et c'est Miguel Marcelina qui sont jetés. Le numéro 7, Zortanos, elle est la propriété de M. Fares, entraînement de Jean-Claude Huguet, montée par Yoritz Melizabal. Elle est la gagnante du prix Venteau, groupe 3. Numéro 8, Volta, gagnant du prix Sandrine Garde, groupe 2, ici même à Chantilly, elle défend la Kazakh de l'écurie Saladi. C'est l'entraînement de Francis Graffard et c'est Christophe Lignon qui est son partenaire. Le numéro 9, Armande, c'est la troisième prix du Royaume-Uni, groupe 3, ici même à Chantilly, elle défend la Kazakh d'Edouard Pirochu en association avec Vicky Aurélie.
c'est l'entraîneur d'Entrants Phares et c'est Pierre Charbonneau qui est son partenaire. Le numéro 10, la favorite, la Cressonnière, propriété des jeunes arbres de Saint-Normand, l'association avec Antonio Caro. Elle est entraînée par Jean-Claude Rouget, menée par Christian Bimoureau. C'est la gagnante de la poule d'essai des pouliches cette année. Elle est invaincue en 6 sorties. Le numéro 11, Island Queen, cavale de madame Nathalie Kerjean, entraînant de Johan Picoureau. Elle est montée par William Wick. Et c'est la gagnante du prix Cléopâtre, groupe 3. Island Queen a été supplémentée aujourd'hui. Le numéro 12, Badigol. Deuxième des mi-guinées à Newmarket, elle a gagné le prix Marcel Boussac en 2015 sur le forum de Longchamp. Elle suit bien sûr ce numéro Island Queen. Elle est entraînée par Ryan O'Brien. C'est la cavale 14 qui s'est gagnée et c'est Ryan Moore qui est son partenaire. On poursuit après ce numéro 12 avec le numéro 13, The Juliette Rose, lauréat du prix Royaumont, groupe 3. C'est la cavale PFR Spéculator Petit France, entraînant de Nicolas Clément, menée par Stéphane Pasquier. Elle porte donc dans cette course le numéro 13. Le numéro 14, Gisoire. C'est la cavale avec Indie Bergère, associée avec Robert Bergère. Elle est entrée par William X, Walter Pist, et elle est montée par Théo Bachelot. Elle a gagné à Strasbourg sur ses deux sorties, une deuxième place et une victoire à Strasbourg. Le numéro 15, Coolmore, c'est la gagnante du Wetmark Stakes 2015 groupe 3. Elle défend la cavale Magnus Mist à bord, c'est l'entraîneur d'Antoine Le Royal et c'est Jacques de Farnal qui est son partenaire. Et enfin, pour le numéro 13, Wetmark, pour un grand numéro de fer, on est en train de faire une variance, avec sa massive union, avec une tête de l'équipe, ça va arriver de 1 lors de sa dernière tentative. Voilà les 16 poulies de cette édition. Va-t-elle rentrer dans l'histoire aujourd'hui, ici à Chantilly? Le duo Augustin Normand Caro va-t-il également marquer l'histoire 60 ans après Marcel Boussac et 112 ans après El Mont Blanc? Réponse dans quelques instants. Chantilly, on retient le dessous. Faites du bruit. Pour l'outsider numéro 14, Gisoire qui va venir s'installer parmi les premières à cet instant, ainsi que l'Irlandaise Coolmore qui vient maintenant côté col et qui va assurer le train. On retrouve également à l'expert qui a le numéro 13, The Juliette Rose, avec le numéro 11, Island Swing qui est en 4e position, avec le numéro 4, Biocoach qui est là également devant le numéro 10, la Cressonnière, la favorite, avec Blanche Tocquerette qui vient avec Sportanet, le numéro 7 qui est dans le sillage de la première. On retrouve également le numéro 1, Suisse, Rhin de la Pouliche anglaise avec Franck qui est horriqué sur son dos, qui s'est rapproché côté corps et profite maintenant du sillage de Coolmore. Left Hand est dans son dos, Tchelagel vient ensuite avec Christophe Renard avec à son intérieur le numéro 5, Zahilia, avec une autre Irlandaise, le numéro 12, Paida, une casaque bleue et orange qui est toujours en retrait. Camprop patientant également, avec également le numéro 9, Armand, qui est dans la deuxième moitié du peloton. Il vient encore devant le numéro 3, Tierra del Fuego, qui est en dernière position d'un peloton toujours emmené par le numéro 15, Coolmore. Coolmore avec Jimmy Ferland qui est sur son dos. À son extérieur, le numéro 4, Pio Coach, avec en troisième position à l'accord, le numéro 1, Swiss Range, qui vient encore avec le numéro 14, Ziswab, alors que complètement en dehors, se rapproche maintenant un peu le numéro 13, Juliette Rose, accompagné par le numéro 2, Tchemayel, qui vient avec le left hand, casaque bleu et blanc, qui est toujours à l'accord. À l'extérieur encore, il y a Island Queen, le numéro 11, qui est monté par William Buick, avec le numéro 5, Azalea, qui est toujours côté corde, alors que Tierra del Fuego est battue. Elle s'entre dans la dernière ligne droite, avec le numéro 15, le coup de mort, qui est toujours en quelques courses devant le numéro 1, Swiss France qui vient dans son dos.